Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous présenter ce soir, ou aujourd'hui, je ne sais pas quand vous allez regarder cette vidéo. Je suis ravie de vous présenter Anne-Sophie Collin, qui a gentiment accepté de venir nous parler d'un joli thème qui est le suivant, comment soigner autrement nos animaux. Ce sera une conférence qui aura lieu jeudi prochain, le 1er juillet à 20h. Alors, bonjour Anne-Sophie, comment tu vas? Bonjour Muriel, ça va bien, ça va bien, la forme. Prête pour jeudi? Oui, vraiment prête et impatiente de pouvoir vous faire découvrir tout ça. Alors, de quoi tu vas nous parler? Le thème que tu as souhaité partager, c'était donc comment soigner nos animaux autrement. En quelques mots, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça s'agit? De quoi ça va s'agir, cette conférence? Alors, ça va être de découvrir en tout cas des techniques qui sont peut-être pas connues ou en tout cas pour le moment un peu méconnues du grand public et de pouvoir vous offrir tout un panel de choses qu'on peut faire en complément des soins vétérinaires. C'est-à-dire, on ne va pas seulement soigner le corps, on va pouvoir parler de techniques qui soignent le corps, mais également tout ce qui va être soins de l'émotionnel, soins de l'âme, soins du psychique, pour vraiment prendre soin de l'animal dans sa globalité. Comme pour un humain, Exactement. L'animal, il a les mêmes fonctionnements, les mêmes sentiments que c'est un être vivant, il a les mêmes ressentis, donc c'est vraiment important d'avoir une approche holistique de l'animal. cool. Ça va être chouette, hein. Et dis-moi, pourquoi c'était important pour toi de nous parler de ça? Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cet axe-là de conférence? Alors, c'était important pour moi parce que j'ai commencé en tant que comportementaliste pour chien. Et je me suis rendu compte que parfois, je ne pouvais pas aller assez loin dans le fait d'aider l'animal et je me suis retrouvée des fois complètement bloquée. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai fait des études en plus, notamment en kinésiologie, pour pouvoir offrir une solution complète à l'animal et au propriétaire et pas me retrouver à dire, bah oui, le chien, il a un problème, mais on ne peut pas aller plus loin ou non, ça ne va pas, on ne peut rien faire. Vraiment pouvoir aller au bout du problème. Donc ça vient vraiment de ton expérience à toi. À la base, c'est ton expérience Oui, de ça a vie. été en fait tout un chemin de vie, tout un parcours de vie et je continue hein, toujours à m'ouvrir, à m'enrichir. Si je peux découvrir d'autres choses, je le fais. Donc là, je vais vous partager ce que moi j'ai pu découvrir et connaître. Et peut-être que l'année prochaine, on en reprend une autre où il y aura encore d'autres choses. Mais pour le moment, je vais déjà vous montrer ce que je sais faire. On ne sait pas et ça n'est pas impossible, hein, qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent Exactement. entre-temps. Donc, on n'est pas à l'abri que ça s'agrandisse encore. C'est ça. Bon, bah écoute, moi j'ai vraiment hâte que tu nous racontes tout ça. Donc, ce sera jeudi soir à 20h. Je vous mettrai le lien d'inscription parce que la conférence est gratuite, mais il faut que vous vous inscriviez pour être avec nous dans la salle de conférence et poser vos questions auxquelles Anne-Sophie se fera un plaisir de répondre en fin de conférence. Jeudi soir, 20h, dans la joie, la bonne humeur, avec tous vos petits animaux. Bon, on aura nos deux petites mascottes virtuelles qui seront là, mais voilà, toutes vos mascottes à vous seront les bienvenues. Anne-Sophie, merci à toi de nous offrir cette conférence. On se retrouve jeudi soir dans la joie et la bonne humeur. Bien évidemment, et vraiment avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Eh bien, ce sera un plaisir partagé. On vous attend nombreux et puis d'ici là, on vous souhaite de passer de jolis moments avec tous vos animaux. À jeudi! À jeudi!